Bonjour. Bonjour. Alors, si vous aviez un seul livre à conseiller à nos auditeurs, et quel serait-ce et quelle est son originalité? Un seul livre contemporain ou pas? C'est votre choix. Bah, vous savez, je vais persister. Je vais vous parler d'un livre dont l'auteur dit « À chaque fou, son obsession ». Donc, je suis la folle, j'ai toujours la même obsession. Et c'est Le Quichotte de Cervantes. Je suis venue en parler ici dans le cadre des Écrivains du Sud, et je crois que c'est un livre inépuisable, c'est peut-être le premier roman moderne. Il y a une excellente traduction qui a été faite par Aline Schulman, parce qu'il y a d'autres traductions que je trouve plus approximatives, ou en tout cas qui me donnent moins de plaisir que le texte espagnol, parce que j'ai eu la chance de le lire moi en espagnol, et quand je lis la traduction d'Aline, j'ai le sentiment que c'est le même texte. Voilà, il est en poche, donc même quand on n'a pas beaucoup de sous, on peut se jeter dans les aventures de Don Quichotte et découvrir à travers l'histoire qu'on connaît comme ça d'un personnage qui bascule dans la folie parce qu'il a lu trop de livres. On peut découvrir un univers complet parce que c'est aussi l'histoire d'une époque, parce que c'est aussi, juste ce que je disais, la vraiment moderne, pas une voix mais des voix autour d'une histoire, autour de tas d'histoires, de croisements de chemin, c'est le monde. Merci beaucoup.